Voici donc la nouvelle collection bébé que je voulais vous présenter. Donc c'est de chez Reprint, la marque suédoise. Donc ça s'appelle Baby's First Clothes. Donc ce sont les premiers vêtements. Je vous ai mis avec les encres Versa Magique Aloe Vera et puis Vite, la couleur blé, parce que ce sont les deux teintes qui vont avec ces papiers-là, si vous les avez déjà. Donc on va regarder ensemble à quoi ça correspond. Donc on a à l'arrière donc des vêtements bébés. Donc le thème c'est les vêtements, l'armoire on va dire, et puis des papillons, parce qu'on a aussi beaucoup de papillons. Regardez, il y a les petites robes et puis les petites salopettes pour les garçons. Donc c'est vraiment mixte, hein, c'est pour voilà, les filles et les garçons. La petite étagère avec les doudous, des petites feuilles d'eucalyptus, très tendance en ce moment. Donc ça c'est pour la couverture. Après ici on a un joli motif de, j'allais dire, tapisserie baroque. Donc c'est un vert grisé. À l'arrière, des pois, pareil, donc dans les verts grisés, et puis les tons couleur blé. Ici, on a les tout petits motifs de salopettes bavoires, petites chaussures, papillons, voilà. À l'arrière, des petits cœurs. Ici, on a encore... alors, est-ce qu'il y a deux fois les mêmes pages? Je me pose la question. Ah oui, alors on a les mêmes motifs là sur ces deux pages. Et bah oui, en fait il y a deux fois les mêmes pages là. Sur celle-ci, on a deux fois et les cœurs dans les tons vert grisé. Ici, on a des petites robes. Alors pareil, deux fois. Donc c'est le côté. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Ça, ça allait avec la première page. D'accord, c'est un petit peu mélangé. Donc là, on a les petites robes sur les cintres. Donc, vous avez aussi des mini cintres en métal bronze dans la boutique qui peuvent aller avec si vous voulez faire des petits embellissements. Et à l'arrière, le petit motif tapisserie baroque dans les tons couleur blé. Alors, on a ça. Donc ça, c'est comme la première page que je vous ai montrée. Et celle-ci... On a tout un tas d'étiquettes. Alors là, c'est super joli. Donc, il y a écrit carte postale et vous avez la petite étagère avec le fil à linge et puis les petits doudous qui pendent. Ici, le doudou, la petite corbeille en osier et les feuilles d'eucalyptus. Regardez si c'est mignon. C'est une petite chaussure là aussi. Là, les étiquettes sont très très jolies. C'est un petit côté rétro. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est la même qu'on avait au début, donc avec les cœurs ici. Et là, on a, en fait, on a deux pages d'étiquettes aussi. Donc on a deux fois les mêmes pages à chaque fois, plus le bonus à l'arrière de la couverture. Alors pour aller avec tout ça, le bonus d'étiquette, moi je vous ai sélectionné au niveau des cardstock la couleur blanc cassé, le blanc cassé et la couleur ficelle. Ficelle, la couleur ficelle. Donc ces deux teintes vont très bien avec, vous voyez. Voilà, pour moi c'est mon choix de papier cardstock. Ensuite, eh bien, vous avez, comme je vous ai présenté tout à l'heure, la dentelle papillon. Eh bien, elle va avec, évidemment. Ainsi que les petites attaches parisiennes avec les papillons. Donc, si vous voulez rajouter des petits papillons, vous avez ceux de chez Prima. Au niveau des fleurs, vous avez des teintes ici qui correspondent bien. Donc, ce sont les fleurs de chez Prima, la référence 658-885. Ça, vous pouvez la sortir. Également, les rubans de chez Crafter Compagnon, la collection Vintage Butterfly assortie. Donc, c'est vraiment assorti avec les papillons. Et les nacrés aussi. Vous voyez, si vous voulez donner un petit peu de couleur irisée, hormis le violet, vous pouvez utiliser ces teintes-là. Ah, vous avez le vert, le rose aussi si vous voulez, et le vert, et puis la couleur blé. Vous voyez, au niveau des nacrés, ça va très bien avec. Là, c'est ma petite sélection qui va avec ça. Quoi d'autre? Eh bien, si vous aviez pris ces dots il y a quelque temps de chez Prima, et vous pouvez les assortir avec, vraiment, ça va très bien avec. Donc celle-ci, c'est la référence 997-120.
puisque vous avez les blancs cassés avec la feuille d'or dedans. Vous avez ce vert pâle amande qui va aussi avec les feuilles d'eucalyptus et la teinte légèrement rosée pailletée. Ça, vous pouvez la sortir. Et mon petit délire, en fait, j'ai pensé qu'avec ces supports d'album de chez Minté, la valise, eh ben, on n'est pas obligé de faire forcément le voyage, mais on pourrait faire la valise avec les petits vêtements, puisque c'est l'album premier vêtement. Donc, ce serait rigolo de faire une valise de fringues, pour bébé. Voilà, c'est ça l'idée, en fait. J'espère que ça vous plaira. Moi, je trouve que c'est très amusant. En tout cas, ça changerait d'album, quoi. Donc, voilà ce que je vous propose en nouveauté. Eh bien, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous remercie de me suivre. Et n'oubliez pas, vous avez encore jusqu'à aujourd'hui minuit pour participer au jeu, pour gagner, donc sur YouTube, pour gagner de l'eau, de papier, de chez Scrapberry. Voilà, je vous dis à plus tard.